Justice pour Martinez Ogo. Les gars, on met les cœurs, on partage, car ma page est restreinte. Si je fais cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous ceux et celles-là qui demandent où est passé Steve Farr et les autres. Et je profite pour m'adresser spécialement à Camille Makosso. Camille Makosso, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont pays frères, mais de différentes convictions avec des personnes bien différentes. Toi, en Côte d'Ivoire, tu assumes ta proximité avec Ouattara. Je soutiens Ouattara. Mais au Cameroun, Steve Farr, non. Parce qu'il a une fabrication pour le système. On connaît les prises de position de Makosso. Mais les prises de position de Steve Farr, jamais. Demande à ton ami Steve Farr, pour quel camp appartient-il? Qui il soutient? Qui soutient-il? Il ne peut pas te répondre. Parce qu'il est quelqu'un sans conviction. Il roule pour sa poche. Quelles que soient les misères des uns et des autres, il roule pour sa poche. Donc, assumer une amitié avec un gars comme Steve Farr, c'est rabaisser son niveau. Ce n'est pas parce qu'il a 1 million et plus d'abonnés qu'il doit être considéré. Car il n'est pas un modèle. Il a roulé pour le système. Voilà pourquoi il doit être silencieux. Parce que s'il l'ouvre, il sait ce qu'il attend. C'est tout. Et pour reconnaître le talent d'une personne, c'est face aux autres. On ne juge pas le talent d'une personne face à lui-même. À l'époque, Steve Farr était le seul à prendre les vidéos, découper et présenter au public. Et tu sais, le Cameroun, comme j'ai dit, et les Camerounais, c'est un peuple travailleur. Le Camerounais aime travailler dur pour gagner sa vie. Donc, il considérait au départ ce métier comme un travail facile, trop facile pour lui. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'à l'intérieur, il y a de l'argent. Donc voilà pourquoi plusieurs personnes se sont lancées dans le blog. Influenceurs, blogueurs. Et vous savez, le Camerounais a la qualité de toujours bien faire. Et face à ces challenges-là, à plusieurs défis, à plusieurs nouveaux blogueurs, influenceurs, Steve Farr est obligé de quitter. De quitter le plancher. Et le système même n'en a plus besoin tellement de lui. Parce qu'il y a ceux-là qui ne sont pas seulement blogueurs ou influenceurs, mais il y a aussi ceux-là qui font des lives. Makosso fait des lives, malgré que lui-même c'est un roublard. Mais au moins, il assume sa proximité, son soutien à Ouattara. Et il dit haut et fort, celui qui ne fait pas la politique est un maudit. Celui qui s'intéresse pas à la politique intérieure de son pays est un maudit. Donc, pour cela, je rejoins Makosso. Mais est-ce que Steve Farr peut avoir les couilles de dire pareil? Non, on a acheté Steve Farr à dérouter le peuple, à dire que non, laissez la politique aux politiciens. Donc, j'ai souvent dénoncé Steve Farr dans mes lives. Il n'a jamais été un modèle. Il ne sera jamais. Il existe parce qu'il prend nos vidéos, il découpe, il présente au public. C'est tout. C'est tout. Est-ce que Steve Farr peut prendre position? Si vous voyez Steve Farr faire un live, c'est parce qu'il veut se défendre, défendre sa cause. Peut-être vouloir récolter les fonds, on ne sait pas pourquoi. Mais Steve Farr ne peut pas faire le live comme Makosso pour défendre une cause. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, assumer une amitié pareille, Makosso, c'est réduire le niveau. C'est réduire le niveau. Car nous tous on se connaît. Donc il a roulé pour le système. Aujourd'hui, son passé lui-même le hante. C'est voilà pourquoi il est obligé d'être absent. Il a mangé partout. Il roulait pour sa poche et pour le système. C'est une fabrication du système en fait. Donc arrêtez de demander où il est. Comme dit un adage, obéir lentement n'est pas obéir. Même s'il savait que Steve Farr fasse une vidéo
ce ne sera pas de sa propre volonté, ce sera de votre volonté. Donc, il a été forcé. On ne force pas quelqu'un de bien faire. Si tu aimes la vidéo, partage, abonne-toi à la page Banga Diaspora officielle, à mon compte TikTok Banga Diaspora et à ma chaîne YouTube Banga Diaspora. Pour tous ceux et celles qui veulent perdre du poids, je vous présente ce produit-ci-là. Vous prenez 3 boîtes Lily Slim, on a le stock en France, au Cameroun. Ça vous fait perdre 0 à 15, 20 kilos. 3 boîtes. Un traitement d'un mois, 2 semaines. Lily Slim. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'éjaculation précoce, je vous présente ce produit-ci-là. Un produit 5 étoiles. C'est un antiseptique. C'est préventif et curatif. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Italie, Allemagne et Cameroun. Donc, Super Love, c'est un best-seller, un produit 5 étoiles. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles qui nous viennent d'Indonésie. Donc voilà, mon contact c'est le 6 83 40 97 55. Pour tous ceux et celles qui souffrent de gouttes, c'est-à-dire l'acide urique, je vous prescris ce produit-ci-là. Je vous conseille ce produit-ci. On a le stock en France et au Cameroun. La goutte. Tu as mal aux articulations. Tu n'arrives pas à faire le coup, à fermer le coup de poing. Le matin, tu n'arrives pas à déposer les pieds au sol. Tu négocies. Ça fait tellement mal le bas de pied qui chauffe. Je te conseille ce produit-ci-là. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98.